Bonjour, je suis Sébastien Gélineau, j'ai 43 ans, je suis le gérant de CETEC 3D, société que j'ai créée en 2012 avec trois compagnons sur une activité qui est le relevé laser et la modélisation 3D. Aujourd'hui, l'entreprise est composée de 18 salariés, 4 apprentis qui sont plutôt destinés à la recherche et à l'innovation. Nous avons développé un nouvel outil qui permet de piloter une maquette 3D à travers une acquisition laser. Donc on utilise différentes têtes de mesure pour générer un nuage de points. Donc ce que vous voyez à l'écran, c'est un relevé laser. Donc là, on a à peu près 200 positions. C'est une centrale thermique en Slovénie. Et l'objectif était de reconstruire cette centrale en modèle 3D. Suite à différentes innovations, j'ai pris la décision d'ouvrir un bureau en région mantaise, donc sur le territoire de Mantes. Bon, déjà pour des raisons de proximité, mais aussi pour déployer en fait une offre qui pourrait m'ouvrir sur ce bassin, sur les Yvelines, qui est un bassin quand même assez industriel. Et globalement, l'accueil au sein d'INEOS apporte aussi toute la le support qu'on pourrait attendre pour un entrepreneur, c'est-à-dire que tout le back-office aujourd'hui que je trouve à INEOS m'enlève une charge de travail assez conséquente. Et suite à une information d'INEOS, où nous avons nos bureaux, j'ai pris la décision de participer à ce concours d'entrepreneurs, parce que nous participons à la transformation numérique et il est important pour toute entreprise aujourd'hui de pouvoir accompagner des industriels, mais aussi accompagner l'emploi et aussi participer à du développement sur des territoires qui sont au-delà de la région parisienne.